Bizarre ça. Mais t'es pas le premier qui me dit qu'il se fait chasser super haut dans le par un fantôme qui est pas censé. C'est bizarre. C'était un démon, mais c'est trop. T'as dû te manger des interactions et des ghost events en boucle. Je sais pas. Ah oui, non, mais le démon peut pas attaquer au-dessus de 70. 100%. Je suis sûr à 100%. Peut faire tourner une roue, please? Non. Attends, je vais fermer les portes. On va devoir faire la game d'après, ce sera probablement une cauchemar. Hein. Ça y est. Il faut lancer la streak, il faut vaincre ses peurs, mesdames et messieurs. C'était où ça? C'était où? C'était où? C'est pas ici. Il a fait tomber un truc. Hein. C'était où? Garage? Il a encore fait tomber un truc. J'ai l'impression que ça vient d'ici ou de la chambre au fond, mais. Là, ok. La fourchette. Ok. On va quand même rallumer le courant. On n'est pas des monstres. Est-ce qu'on a les casiers? On n'a pas les casiers. On n'a pas la Ouija. Merci Gadget, des gros bisous à toi, merci pour le raid. Pas le Ouija, ok. J'ai pas checké tous les spots là Ouija. C'est une roue des maps pour la Strict Nightmare. Non, non, non. Non, 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 la Strict Nightmare c'est... C'est moi qui gère. Voilà. Si ça rime, c'est qu'il y a une raison. Ok, il est actif de ouf. Beaucoup de double interaction. Petit Polter, petit Tony, petit jumeau. Est-ce qu'on a un... Ok, on a celui-là qui est safe. Oh, sous la table, oui, je l'ai vu, Stavanos. La lumière de la frontale est toujours aussi cheat? Non, ils l'ont changé. Regarde. Elle est beaucoup moins cheat qu'avant. Malheureusement. Ça m'est arrivé aussi avant-hier avec une banshee. Je rentre, elle se monte deux fois d'affilée dans l'entrée et lance une chasse. C'est normal, les événements paranormaux vous enlèvent de la santé mentale. Et la banshee a une très faible chance d'attaquer au-dessus de 50. Bref, tac. Mais oui, c'est normal, ça arrive. Salon, ouais, salon. Moi, j'ai eu comme toi, je suis rentré au MF5 en ouvrant la porte principale. Trois apparitions, il te court dessus direct. Ah, non, mais c'est ça. Hein. C'est ça. Merci du follow, Dragon. Merci du follow, Saphiras. Pardon, je t'avais loupé. Merci à toi. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Ok. Glacial. Je vous dis, ça sent les jumeaux. Double interaction. Regardez. On a vu ma glaciale, hein, mais il me la met pas. Regardez. Je vous ai dit que la température avec les jumeaux, elle est buggée. Jumeaux. Moi, je piffe le jumeau direct. Je vous ai dit, je vous avais dit, la température avec les jumeaux, vous l'avez que quand ils changent de salle. Comment tu vas, Saminouille? Plus qu'à test la bougie, ouais. Regardez la double action. Regardez là. Double action encore. Pour moi c'est jumeau. On va faire des tests parce que ça m'arrive évidemment de me tromper comme tout le monde. On va faire ça sans lampe. Euh, 85%, il est... Non mais attendez, ça, vous avez déjà vu des trucs comme ça? Ouais, je pense que c'est jumeau. Mais on va tester la bougie. 100%, c'était un démon. J'ai dû effectivement prendre. Ouais, je pense que t'as pris plein d'événements paranormaux. Le jeu n'est pas tant buggé que ça, hein, mesdames et messieurs, au niveau des chasses et tout. J'ai pas compris comment tu vois la double action sur l'écran. Je vais t'expliquer s'il nous en met une autre, Sweezy. Mais ouais, je pense que c'est jumeau. Du coup, jumeau, qu'est-ce qui nous manque? EMF. Ah bah ça va être facile à vérifier vu comme il est chaud. Enfin, il était chaud. Let's go. Et puis là, ça va être un non-rio, et puis je vais être là, désolé, des excuses à la famille, tout ça. Je sais pas s'ils l'ont réparé, ça.
Qu'est-ce que je voulais? Je voulais choper. Merde, je sais plus. La DL, merci beaucoup pour les 156 bits. Une autre game d'une heure et demie, probablement. Probablement. L'EMF, voilà, c'est ça que je voulais. L'EMF, il me l'a pas mis, hein. Donc, je veux pas. On va regarder les orbes, ça va être Anonrio. Je vous rappelle que ce jeu adore faire l'inverse de ce que je dis. Voilà, c'est un don que j'ai sur ce jeu. Mais vous avez vu quand même qu'il y avait la glaciale sans l'avoir au thermomètre. Hein. Me mets pas d'orbe. S'il te plaît, me mets pas d'orbe. Elle est où ma lampe? Pour l'instant, il n'y a pas d'orbe. Merci pour tous ces bons moments. Bah, merci à toi. Pour l'instant, il n'y a pas d'orbe. Toujours pas la glaciale. Hein. Toujours pas la glaciale. Alors, attends. On va rallumer le salon. Attendez, attendez. EMF5. EMF5. Jumeaux. Bon! Regardez, regardez, vous avez vu le nombre de double actions? Il a fait tomber un truc, suivi de 2 secondes derrière, il a refait tomber un truc. Le jumeau fait énormément de double actions similaires. C'est comme ça que vous pouvez les repérer. Regardez la courbe. Regardez, ça c'est une double action. Bah du coup là c'est une triple, regarde. 1, 2, 3. À chaque fois que tu as une montée, c'est une action en fait. Et en fait, regarde, regardez ici! Ici, regardez, regardez, regardez! Regardez la courbe! Elle penche 2 fois. Donc ça c'est typiquement les jumeaux ou un polter. C'est-à-dire que la courbe descend. Et pendant que la courbe descend, en fait, du coup, je vous rappelle que les courbes qui descendent, c'était généralement une symétrie de la courbe qui monte. Et en fait, regardez là, c'est parfait exemple, parfait exemple. Regardez, la courbe monte et elle se décale et elle monte encore plus sur la gauche. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il se passe une action dans la maison, mais pendant que l'action se passe, donc pendant que ça monte, il se passe une deuxième action. Donc en l'espace d'une seconde, il y a 2 actions. Et du coup, ça donne cette courbe qui penche sur la gauche et qui, au milieu, penche encore plus sur la gauche. Et ça veut dire qu'il y a une double action. Et seulement, de mon vécu, de mon expérience, seulement les jumeaux et le poltergeist peuvent faire ça. Voilà. Donc ça se vérifie encore une fois. Voilà. Des bisous. Des bisous YouTube. Hier, j'ai fait une game d'1 heure et demie, ouais. Easy game.